Salut les Fan School, ici Julie, votre animatrice préférée. Aujourd'hui, dans notre rubrique Coup de blues, nous allons donner et laisser la parole au virus de la rage. Et il a beaucoup de choses à nous dire. Moi, le virus de la rage, j'ai assassiné des milliers et des milliers de gens. C'était génial. Quel kiff cela a été de les voir baver, halluciner, convulsionner. Une délectation sans pareil. Puis, Pasteur est arrivé sans se presser. Mes affaires se portaient bien jusqu'à ce que ce satané humain me persécute. Vous vous rendez compte? Il a volé ma renommée et s'est joué de moi afin d'être adulé par ses pairs. J'enrage. Et puis, c'est lui qui a trouvé comment m'éradiquer. Je le maudirai et le haïrai jusqu'à la fin des temps. Qui brûle en enfer! Maintenant que Pasteur est mort, je ne peux plus me venger. Son décès me déprime. J'aurais tellement voulu le tuer de mes propres mains. Il a volé ma vie et détruit un avenir qui semblait prometteur. D'ailleurs, je ne fais plus autant de morts qu'auparavant. Je suis obligé de m'en prendre à des animaux. Que de frustration! Que fais-je devenir? Mon avenir s'assombrit jour après jour. Et ça me fout le cafard. En plus, on s'en prend encore et toujours à moi. J'ai dû déménager en Asie et en Afrique, où chaque année j'emporte quand même 60 000 personnes. Mais je suis si triste à l'idée de savoir qu'environ 17 millions d'êtres humains reçoivent chaque année un traitement. J'en fais même des cauchemars. Eh bien merci, Monsieur Virus, pour votre point de vue vis-à-vis de Louis Pasteur. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Allez, à plus les Fan School. Salut les Fan School. Bonjour Julie. Bonjour Chiara. Ah, je suis heureuse de vous retrouver. Des Fan School nous ont dit qu'au collège, on ne fait pas que travailler. Donc nous allons voir ça ensemble. Nous sommes au tout dernier étage de ce collège. Dans ce couloir, nous trouvons des morceaux de papier découpés et des taches de peinture. C'est bizarre. Mais oui, nous sommes devant la classe de Madame Jacques, professeure d'art plastique, et pendant ses heures libres, elle fait du coup l'atelier art plastique. À quelques pas d'ici, on entend les élèves parler, donner leur avis et surtout rire. Mais que se passe-t-il derrière la porte de la salle des 10? Mais Juline, c'est l'atelier philo des 4e 3e et c'est Mademoiselle Steinmetz qui s'en occupe. Les élèves peuvent s'exprimer tranquillement et sans aucun jugement. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. J'ai vu la dernière fois, sur le site du collège, des vidéos réalisées par des amis à nous. En plus, j'ai vu qu'ils ont raflé tous les premiers prix. Celui du concours non-harcèlement et du concours Moselle Lire. C'est énorme! Mais Juline, c'est l'atelier vidéo. Tu ne te douterais pas de quelque chose des fois? Non, mais maintenant que tu le dis, c'est sûr que c'est plus logique. Et tu sais, en plus, plein d'amis à moi m'ont montré des petits animaux, ou des arbres, ou des fleurs, en papier. C'est trop mignon. Mais ils me disent que c'est fait dans un club, mais je sais plus du tout lequel. Mais Juline, décidément, tu ne comprends rien. C'est le club origami, ce n'est pourtant pas si compliqué. Pas pour moi, si. Il y en a qui ont de la chance ici. J'ai entendu dire que l'on peut regarder des films et bien d'autres choses géniales. Après, les élèves en discutent et partagent leurs ressentis. Ah, ça c'est l'atelier cinéma. Oh là là, Chiara, il y a les murs qui tremblent. Qu'est-ce qui se passe dans la salle C7? Allons voir. Oh là là, Julie, toutes ces belles voix qui chantent. C'est la chorale, évidemment. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un meurtre au CDI et qu'une enquête était en cours. Mais Juline, tu es complètement perchée. C'est l'atelier des fous du théâtre. Et là, Juline, tu sais quand même que ça se passe au CDI. On y écrit des textes et en salle C5, on les enregistre et on les filme. Alors, c'est... Là, je sais, c'est la web radio. Bravo, Juline. Pour une fois, tu l'as trouvé. Je crois qu'il est à peu près de la... Salut Fan School, bienvenue sur School Radio. Ici Lucille, votre animatrice préférée. Aujourd'hui, pour animer la rubrique Coup de projecteur, j'ai à côté de moi Carly et Simon, élèves en classe de 3e, qui vont nous parler de l'échéance que les 3e attendent et redoutent à la fin. Cette échéance arrive à grands pas. Carly et Simon, avez-vous envie d'y aller? Oh que oui, j'attends cet événement depuis mon entrée au collège. Cela fait donc 14 années. Moi aussi, j'ai vraiment hâte d'y être. Comment comptez-vous vous y préparer? Oh, moi j'ai pris des cours particuliers.
Moi, je compte bien m'y préparer avec mon ami Océane. Nous allons mettre de belles tenues, nous maquiller un peu, bien coiffer, des trucs de filles, quoi. Êtes-vous stressée à l'idée de participer à ce grand événement? Non, ça va, je me prépare pour rester cool. Je suis stressée à mort. Je prends tous les jours des midocs contre le mal de tête et les maux de ventre. Visez-vous des objectifs précis? Réussir à faire danser mon petit ami, cela va être très dur. Moi, je sais que j'aimerais inviter, mais il faudrait que j'arrive à le dire. Danser? Inviter? Mais de quoi parlez-vous? Ben, troisième. Moi, je vous interrogeais sur le brevet, pas sur le bal. Oh non, la loose. Le brevet, vous êtes sérieuse, Lucie? Ah oui, le brevet. Je compte bien m'y préparer également. D'ailleurs, je vais vous laisser car je dois réviser. Avant de partir, j'ai encore quelques petites questions qui vont intéresser tout le monde. Êtes-vous pressée de quitter le collège? Et pouvez-vous nous confier votre meilleur souvenir et éventuellement votre souvenir le plus déplaisant? Oh que oui, je suis pressée de quitter le collège, même si j'ai adoré les voyages au ski, les serres chevaliers. Mais ce qui a été le plus déplaisant pour moi, ce sont les prises de tête avec certaines personnes. J'espère que cela sera différent, merci. Et pour toi, Simon? Je veux rester au collège, moi. Mais non, je rigole, je suis aussi pressée de partir. Mon meilleur souvenir est celui du cross du collège. Depuis que je suis en quatrième, je suis reporter UNSS officiel de l'Académie Nancy-Mettre. Dans ce cadre, je réalise des vidéos pour le cross ENA. C'est vraiment un super job. Si vous désirez voir mes films, rendez-vous sur la chaîne YouTube 57S1 Reporter. Et mon pire souvenir, c'est quand je me suis pris un râteau. Oui, ce sont des souvenirs à la fois joyeux et émouvants. Merci Carrie et Simon d'avoir consacré un peu de votre précieux temps à tous nos auditeurs. Nous vous souhaitons bonne chance pour votre brevet et pour le bal. Chers Fans School, à très bientôt sur les ondes de School Radio. Salut les Fans School, bienvenue sur School Radio. Ici Lilia, votre animatrice préférée. Bientôt l'été, la chaleur et le farniente. Alors aujourd'hui, nous ouvrons notre rubrique Coup de soleil pour vous donner nos school conseils. Voici le top 10 des choses à faire, ou pas, pendant les vacances. Lire des livres à l'envers et en langue étrangère. Regarder des nanars en se tapant des barres. Nager en Antarctique à dos de tigre. Skier dans le désert en tenue d'hiver. Retriper du lit au canapé et du canapé au lit. Boire un cocktail poubelle sous le soleil. Manger périmé pour être en bonne santé. Griller des grillons et croquer des criquets. Hiberner dans un chantier. Écouter sans souffler nos ancêtres radotés. Voilà les Fans School, on se retrouve dans quelques mois. Ne venez pas me dire à la rentrée que vous vous êtes ennuyés. A bientôt sur School Radio.